Anne-Elisabeth Lemoine a vécu une émission assez mouvementée ce jeudi 23 mai 2024. L'un de ses invités de cet AVN n'a en effet pas été tendre comme les téléspectateurs de France 5 ont pu le découvrir. Mais elle a pu compter sur Bertrand Chamérois pour la défendre. Ce jeudi 23 mai 2024, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu de nouveaux invités sur le plateau de C'est à vous, France 5, en direct du Festival de Cannes 2024. Et l'un d'eux n'a pas manqué de la taquiner, un peu trop peut-être. Cela n'a pas échappé à Bertrand Chamérois, qui n'a pas manqué de prendre sa défense. Une blague qui ne passe pas auprès de Vincent de Dienne. Le 26 juin prochain sortira en salle Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Un film également à l'honneur à Cannes ce jeudi. Bien qu'il ait un petit rôle dans ce projet, Vincent de Dienne a déjà marqué les esprits et était donc l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous. Après avoir diffusé un passage de cette comédie, la présentatrice de 53 ans lui a demandé, en gros les pistolets en plastique, si est-il juste un bon moyen de venir à Cannes Vincent? Une boutade faisant référence à un post Instagram de l'acteur. Oui, j'adore faire Cannes, donc je suis content d'être là. Mais vous avez des questions un petit peu plus conséquentes? A répondu Vincent de Dienne. Une remarque qui a fait lever les yeux au ciel de son interlocutrice qui a avoué être à bout depuis son arrivée. Mais l'interview devait continuer et elle a souligné que lors de son discours pour son dernier Molière, pour un chapeau de paille, il n'avait pas mentionné Françoise Sagan, alors qu'il la citait souvent en interview. On va vous donner une nouvelle citation de Françoise Sagan qui a été présidente du jury du festival à Cannes, a-t-elle poursuivi. Mais elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, que son invité a lancée, « Mais qu'est-ce ce que vous voulez que ça me foute ?» Anne-Elisabeth Lemoine ne se laisse pas faire hilar, Anne-Elisabeth Lemoine a diffusé la fameuse séquence de Françoise Sagan. Et un peu plus tard, elle a évoqué le talent de chanteur de Vincent de Dienne. Voyant que ce dernier était mal à l'aise, elle l'a réprimandé, « Il ne fallait pas me dire quest ce que j'en ai à foutre sur Françoise Sagan. » L'humoriste de 37 ans a bien tenté de s'excuser pour que la présentatrice ne diffuse pas une vidéo, mais le mal était fait. Elle ne les a pas acceptés et a ainsi dévoilé une des images sur lesquelles il chante aux côtés de Camille Cotin lors du grand concert, Urgence Tchétchénie, en février 2018. Anaïs, de Moustier, vous avez déjà chanté? Je m'occupe de l'interview 1, comme vous êtes un petit peu amatrice, l'a-t-il taquiné ensuite. Une blague qui a quelque peu choqué et surpris sur le plateau. Il ne joue pas, il est odieux pour de vrai. Si est-il ça que les gens ne savent pas, a répliqué Babette. Bertrand Chamérois ne la contredira pas. Lors de sa chronique, il a notamment évoqué la folie autour de Pierre Ninet. Anne-Elisabeth Lemoine et lui se sont amusés à prononcer son nom, ainsi que celui de la future maman Anaïs de Moustier pour voir la réaction du public. Si l'on t'applaudit pour eux, ils ont bu Vincent de Dienne lorsqu'il a été mentionné. Ça marche, les gens comprennent la vraie nature, s'est donc amusée la présentatrice. Et son chroniqueur d'ajouter, « Vous n'êtes que fourbri Vincent. Nul doute qu'il se souviendra de son passage dans l'émission durant longtemps. »